Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette épreuve principale, la Coupe des Présidents édition 2011, 2200 mètres à parcourir avec pour l'instant un bon départ de Intercontinental qui va prendre le train à son compte dès l'ouverture des boîtes devant Rudy Rock. Sports Factor va y assister à l'extérieur, tout comme La Fauché qui se rapproche à l'extérieur également. Rudy Rocks est rejoint par Seattle Ice. Ensuite, on retrouve Not Liable. La Coupa suit un peu plus loin en attentiste et on ferme le cortège avec Club Victor. En tête de la course pour l'instant, eh bien, c'est Sports Factor qui a pris les commandes devant La Fauché, condamné à l'extérieur du favori intercontinental. Suivant bien calé à la corde, Matty Sudendal et Rudy Rocks. En cinquième position, Seattle Ice et Jason Holder. 2-3 longueurs, nous avons la doublure de l'écurie Gadjedar avec la toque jaune, c'est-à-dire Not Liable, La Coupa. Puis nous avons en dernière position la casaque jaune de Club Victor. Alors qu'on est en pleine montée avec Sports Factor qui ouvre toujours la voie. La Fauché est en deuxième position à l'extérieur de Intercontinental. En quatrième position, nous avons toujours Rudy Rock. Seattle Ice est cinquième côté corde. Tout juste derrière, Not Liable, A Coupa et toujours Club Victor alors qu'on passe l'Automobile Arctique qui ferme le cortège. Sports Factor toujours en tête, à son extérieur La Fauché, la doublure de l'écurie Serge Henry, Intercontinental a une course de rêve actuellement en troisième position, quatrième position qui n'est pas mal du tout, Rudy Rocks, suivant cinquième position Seattle Ice, regardez A Coupa et Robbie Buck qui s'approchent à l'extérieur de Not Liable, maintenant progresse sur Seattle Ice et puis nous avons Club Victor. Alors qu'on aura bientôt plus que 400 mètres à parcourir avec Sports Factor qui va être rejoint par Intercontinental qui a déboîté avec Seattle Ice qui est lancé à Coupa également qui tente de revenir. Les chevaux sont à la sortie du tournant. Intercontinental passe franchement à l'offensive mais il est suivi par Rudy Rock Seattle Ice. Intercontinental a toujours mis le nez devant. On va tenter de revenir avec Seattle Ice. Intercontinental a toujours l'avantage et va aller jusqu'au bout semble-t-il. Intercontinental va s'imposer. Deuxième Seattle Ice, troisième A Coupa, quatrième Not Liable.